Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Déjà, je voulais vous dire encore une fois un très grand merci pour tous les messages au quotidien et notamment sous ma dernière vidéo. Franchement, merci, vous êtes des cœurs. Aujourd'hui, j'avais pas forcément prévu de filmer, puis en fait, il fait tellement beau que ça fait quand même un peu de bien au moral et du coup je me suis dit pourquoi pas. J'ai retrouvé ma voiture ce matin, donc trop cool. Et écoutez, on va faire des petites choses avec Quantum aujourd'hui. Je vais pas monter dessus. Par contre, j'aimerais le faire sauter en longe et notamment sauter des choses bleues. Voilà, c'est l'idée de la journée. Donc déjà, je vais aller au vent pour récupérer son filet. Et après, soit j'irai directement dans la carrière, commencer à mettre des petits obstacles, soit on ira d'abord le chercher, je sais pas trop. Je crois que j'ai une bâche bleue. Alors déjà, j'ai un seau bleu. Mais de mémoire, j'avais une bâche. Mon problème, c'est que je ne sais pas du tout si elle est toujours là. J'ai trouvé la bâche. Donc ça va suffire. Bon, elle est crado, mais c'est pas grave, on voit du bleu. Je vais prendre ces deux seaux et je vais prendre mon truc de voiture, là. Vous savez, pour éviter qu'il fasse trop chaud dans la voiture, ça peut faire un soubassement cool. Genre là, je suis un peu à la recherche de soubassements un peu bizarres. Pour essayer que Quantum me voit des trucs et n'ait pas peur d'un soubassement, notamment un soubassement bleu, si vous voyez de quoi je parle. J'ai ça aussi que je vais pouvoir mettre, je pense, en soubassement. Et j'ai ramené un drap bleu de chez moi. Ah là, le poney, il va voir la vie en bleu, je vous le dis. J'ai emmené mon petit bazar dans la carrière, je vais bouger des obstacles. Je peux me servir que de ces chandeliers là qui sont pas très grands, comme ça avec la longe je peux passer par au dessus. Je pense que je vais mettre là bas les soubassements recouverts d'un drap. Enfin bon, je vais essayer de faire mon petit micmac, on va voir ce que ça donne. Je vous reprends une fois que c'est fait. Allez, j'ai fait ce que je voulais faire, je pense qu'il va avoir grave les chocottes. Hein. J'ai mis ça, alors là on va le perdre je pense. J'ai mis ce petit truc ici. Et j'ai mis un seau de puce là, avec deux seaux dessous. Et je pense que ça va déjà être assez dur pour lui. Et qu'il va avoir les chocottes. On va voir. Je vais aller le chercher tranquillement. Le terrain est toujours pas génial, hein, il est gorgé d'eau. Donc dans l'idée, j'ai pas envie de faire une séance d'une heure. Hein. Si ça peut durer 10 minutes et 10 minutes très bien, ça serait parfait. J'ai ramené Quantum, qui est dans un état, encore une fois... tellement propre. C'est là les crins, c'est que des lox. Regardez-moi ça, la saleté de la bête. Ça va être un plaisir là à brosser. Je me suis équipée de plusieurs choses là pour essayer d'en venir à bout à cette saleté. Je lui ai mis un peu de foin là pendant que je brosse et après on va aller te surprendre. C'est dommage qu'on puisse pas faire un sondage en direct, savoir qui croit qu'il va pas avoir peur VS la team qui croit que ça va pas du tout lui plaire. Moi je fais partie de cette team là. Je pense qu'il va pas trop kiffer la blague. Allez. Tac. À poil. J'ai brossé comme j'ai pu. Je vais lui mettre les protects parce que d'ailleurs je lui ai mis un coup d'eau sur les membres par contre. Et après, un filet et c'est parti. La tête, c'est pas encore foufou. Notamment son toupet, sa crinière là. C'est des locks. C'est une horreur. Pio, montre. D'ailleurs, j'aurais pu brosser un peu là quand même. T'es pas beau, hein. Allez. On est parti faire une petite séance. Ça va être la grosse question de comment il va être. T'es pas prêt de voir ce que tu vas voir. Je pense que tu vas pas trop aimer les blagues. Mais bon, il va falloir être un peu courageux, mon gars, dans la life.
Et ouais, j'ai eu des bonnes idées. Bon, je vais commencer à le détendre à l'allonge. Et après, ça sera parti pour la séance. Je vais pas faire très longtemps, de toute façon, enfin j'espère. Ça va dépendre de lui. Mais là déjà, pas courageux pour un sou. Allez, viens. Allez. Oui. Tu te rends compte que ça, il va falloir que tu le sautes, là. Bravo. Très, très bien. Et je vais pas te laisser sentir 1000 ans. Parce que le but, c'est que t'aies des petites surprises. T'as vu la bâche là-bas aussi? Et ouais, c'est made in Jade, ça. Allez, on va détendre, ça va. Ok, ça c'était bien. Il est mignon. Oui. Oui. On va aller faire le gros là.
sous la pluie. C'était génial. Je te laisse tranquille. C'est bien. Allez, ça marche. C'est génial mon tour. Bravo. Je l'ai laissé en liberté là pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Là il marche, mais je pense qu'après il va s'arrêter pour brouter tranquillement. Voire pour se rouler. Parce qu'il a bien bien transpiré. Par contre, bah, je suis trop contente de lui. Je ne pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Je pensais que ça allait être très compliqué. Et pas du tout. Il m'a fait quelques dérobades, comme vous avez vu, surtout au début. Enfin, il m'en a peut-être fait deux ou trois. Mais par contre, aucun problème pour le reste. Même la grosse bâche là qu'il a fait tomber plusieurs fois, je suis choquée parce que quand je l'ai détendu en longe, à chaque fois qu'il passait à côté, il voulait mettre un coup de pied dedans. Et par contre, pour le sauter, pas de souci. Donc écoutez, je suis très contente, un peu frustrée de me dire que bah du coup c'est avec moi qui peut être coquin. Donc faut que je continue à le faire sauter de temps en temps des choses un peu bizarres peut-être avec moi sur le dos. Et voilà, mais là franchement il a été génial hein. Par contre il est là-bas en train de repartir, mais j'ai fermé le bout. Donc il peut pas rentrer. Bon, par contre là c'était vraiment exceptionnel hein, que je le fasse sauter dans la carrière ici. Parce que le terrain il est vraiment pas bon. Je pense que vous l'avez vu, regardez. Je pense que vous l'avez vu, mais moi j'ai failli tomber plus d'une fois. Mais il va falloir que je laisse en pause comme c'était le cas. Hein. Et voilà, là il y a un bon, je sais pas, il y a quoi, il y a un petit mètre là peut-être sur celui-là. Et celui-ci là, il l'a fait tomber plusieurs fois. Et parce qu'encore une fois, regardez le terrain. Là, je pense que pour sauter, c'était pas facile pour lui. Mais il y a vraiment été plusieurs fois sans trop broncher. Donc, je suis très contente. Ça, pour lui, je pense que c'est le meilleur moment. Bon, par contre, il s'est mis dans une pente. Alors, je pense qu'il va pas réussir à se retourner. C'est bien, tu mérites. T'as raison, mon pieu. Il est beau. Et on est parti pour l'autre côté. C'est bien mon pio. T'as été très mignon. C'est fermé. Ça va mon bébé? Qu'est-ce que tu fais? Coucou. C'est bien champion. Faut que tu fasses pareil quand je suis sur ton dos en fait. C'est bien ça. Bon, je suis venue voir comment il allait là. Il était en train de brouter et là il est en train de fixer je ne sais quoi. On va rentrer. Je vais te nourrir. En tout cas mon pieu, je suis très contente de toi. Maintenant on peut faire pareil quand je suis sur ton dos. Après lui vraiment là où c'est aussi différent avec Saphir. Saphir il me fait, alors c'est pas plus confiance si je suis à cheval, mais j'ai l'impression que Saphir, j'ai toujours été sa référence sur son dos, alors que Quantum c'est plutôt l'inverse. Il va avoir plus confiance en moi que je sois à pied et que je le guide à pied, plutôt que sur son dos. C'est qu'il y fait. C'est dans l'autre sens qu'on rentre. Mais t'es pas fatigué, hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Viens! Mais c'est par ici la sortie. Mais viens ici! Viens mon chat. Et bien! Bravo! Tu vas s'arrêter quand même? Oui. Ça serait Saphir. Il pourrait ne pas s'arrêter, vous voyez. On a la connerie, mais moi j'ai envie de te rentrer là. Il va tomber, hein. Piu! Qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais... Oh! Wow!
coup. J'ai cru qu'il allait sauter. Alors que je viens de vous dire que lui, en gros, il respectait les clôtures. Bon, je vais venir te rentrer, là. T'es tout excité. Alors que t'avais séché. Et on va aller manger. Hein? Doucement. Ouais, ouais, le dragon, là. Viens. Piou. Tiens, petit bonbon pour te calmer. Mirabelle et Saf qui arrivent à fond. Eh bé! Attention, 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 ça plombe là. Eh bé! Ça va? Qu'est-ce qui nous fait l'honneur de votre présence? Regardez là. Oh. Hello! Ça va, mon petit chat? C'est que vous avez la dalle? Non, mais je rêve. Non, mais on peut pas se retourner 2 secondes. Oh là là! Est-ce que c'était vraiment utile, ça? T'étais propre? Hein? Oh bah, non mais toujours plus. Oh le bruit. Non mais le mec, il s'est jeté au sol. Ça veut dire, je commence à m'inquiéter si t'as du mal à te relever. Ça va, Mimi? Merci pour cet honneur plein de boue. On est franchement sur... un cheval dégueulasse qui ne l'était pas. Plaisir. Ouais, j'espère que t'as kiffé. Je viens de nettoyer le mort de Quantum. Je vais lui remettre les rênes sur son filet. Il faut que je range ça. Il faut aussi que je repasse un coup de brosse à Quantum et que je lui remette sa couette. Ça va vous, mon gros crado là? Plus Mimi, demain on va en balade. T'aurais pu t'abstenir de faire tout ça là. Franchement. Hop, un petit coup de brosse pour ce petit dégueulasse. Hop. Ça ne part pas, c'est un plaisir, encore. Je crois que ça gratte par ici pour sa fou. Quantum est recouvert, il est en train de finir de manger tranquillement. Et Saphir et Mirabelle se sont fait la malle. Et ils repartent direct en direction du Grand Pré. Ça y est, t'as fini? T'as le nez tout sale. Le nez tout sale. Allez, tu recules. Quantum. Oh, le bois. Allez, go. À demain? Eh ouais, ils sont déjà partis là-bas. À fond la caisse, ils sont partis. Et Quantum aussi est en train d'aller rejoindre ses copains. Bon bah écoutez, tout le monde s'est fait la malle. Enfin, il n'y a que Ghost qui est en train de lécher les seaux. Mais bon, Ghost n'est pas le principal acteur de cette chaîne. Donc je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Ça fait vraiment du bien ce temps là où... Oui, il fait beau, il fait bon, il y a du soleil, du ciel bleu. Franchement, ça remet un peu de baume au cœur et ça fait franchement du bien. Maintenant, il faudrait que ça continue pour que les terrains sèchent un petit peu. Mais je crois que c'est pas forcément ce qui est prévu. Bref, j'espère que cette vidéo un peu improvisée, parce que j'avais pas du tout prévu de filmer aujourd'hui, vous aura plu. Je pense qu'elle aura été un petit peu plus courte que les autres. Mais bon, écoutez, ça fait toujours une petite vidéo à nos côtés. Et je suis très contente du comportement de Quantum. Un peu frustrée parce que je pensais que ça serait un peu plus compliqué et qu'il regarderait un petit peu plus. Finalement, non. Donc voilà, faut que maintenant, quand moi je suis à cheval, il soit guerrier et surtout qu'il ait confiance. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.